Ce n'est pas une excursion de plaisance, mais plutôt une excursion à but touristique. Une vingtaine de jets et quatre bateaux sont partis de Brazzaville pour la rivière Les Finis dans le cadre de l'excursion jet ski organisée par l'Hôtel Africa de Brazzaville en collaboration avec la société Pulse, fabricant des jets. Il est vrai que l'Hôtel Africa a toujours organisé des croisières jet ski sur le fleuve, mais l'édition 2019 est unique en son genre au regard du nombre de jets mobilisés à cet effet. La dernière fois, ce que nous avons eu à faire, c'était en 2017. Il y avait quelques jets, mais généralement, tout le monde était sur des bateaux. Et l'excursion de 2019, c'est là où on a eu à demander à tout le monde qui a son jet et de nous rejoindre. Et avec nos jets, du coup, ça nous a fait 20 quelques jets. Et de Mamiwata jusqu'à Maipili, c'est un itinéraire bien tracé et qui a été bien respecté. Et la destination finale, c'est Ngabé, comme vous le voyez. Ngabé, notre site touristique qui est en plein développement. Ah, on a l'habitude, mais de cette taille, c'est la première. Et on a essayé pour voir si le tourisme peut prendre compte à cela et pourquoi pas faire plus que ça. Mais avec l'allure que ça a pris, nous pensons bien qu'il aura prochainement d'autres excursions. Là, nous sommes au début, mais prochainement, nous allons viser plus loin. Si ce n'est pas prendre la Lima pour essayer d'atteindre Oyo, on ira vers Moussaka pour essayer de faire cette promotion en fait. 20 jets, 20 skieurs nationaux et expatriés, tous placés derrière l'organisateur Evariste Ondongo, promoteur des jet skis sur le fleuve en République du Congo. Ces croisières organisées successivement par l'Hôtel Africa visent à sensibiliser l'opinion nationale et internationale des potentialités touristiques qui regorgent le fleuve Congo. Le sens que nous donnons à cette excursion, c'est de vouloir encourager les fans du tourisme et de développer le tourisme dans notre pays, parce que nous sommes un pays touristique avec beaucoup de diversité, comme vous voyez. Nous leur donnons le sens de loisirs sur le fleuve Congo. Donc on valorise aussi notre fleuve qui fait partie de notre ressource naturelle aussi ici au Congo. Regardez autour de vous, déjà ce fleuve que nous naviguons, c'est le deuxième fleuve après l'Amazonie. Donc il y a du potentiel en fait. Ce n'est pas les sites qui manquent, il y en a plein, plein. Là, c'est pour dire qu'il y a des sites qui sont mal connus parce qu'il n'y a pas vraiment une promotion touristique. Bon, on ne dira pas que c'est mal entretenu ou bien mal... Non, le problème c'est que tel que je vous ai dit, il faut qu'il y ait un début. Ça poussera aussi notre ministère de voir un peu ce potentiel que nous avons. Parce que nous savons qu'ailleurs, il y a des pays qui ne vivent que de ça. Si aujourd'hui nous parlons de la diversification de l'économie, mais c'est ça aussi en fait. Donc nous donnons un coup de pouce à notre niveau que les autres voient. Il y a vraiment du potentiel. Parti de Brazzaville pour la rivière Les Finis, soit un peu plus de 200 km à remonter à bord des jet skis, l'organisation a pris toutes les dispositions de ravitaillement en carburant tout le long du parcours et des techniciens pour dépanner des moyens en cas de panne. Mais pour les pannes, les problèmes techniques, nous avons des techniciens qui sont avec nous, qui sont en fait là pour faire face à ce genre de situation. Nous avons créé des points de ravitaillement en carburant et en lubrifiant sur le trajet.
Chaque excursion organisée par l'Hôtel Africa comporte un thème et des activités touristiques phares à réaliser. Cette année, l'excursion est consacrée à une partie de pêche sportive au poisson Benga réalisée au campement Maïpili et la pêche au poisson Boto sous la rivière Léfini. En Gabé, l'activité phare a été la visite de courtoisie des skieurs à la reine Galifourou, suivie de la visite des danses folkloriques de la localité. L'excursion s'est poursuivie le lendemain jusqu'à la rivière Léfini. Tout le long du parcours, des skieurs ont produit des spectacles inédits. Spectacles que l'on voit sous d'autres cieux se sont produits cette fois-ci sur le fleuve Congo. Tout ceci sous le regard attentif et émerveillé du chef du département des arts, de la culture et du tourisme de la présidence de la République. Nous sommes venus voir exactement quel type de tourisme qu'on effectue sur Gabé, puisque le jet ski qu'organise l'Hôtel Africa s'effectue le long du fleuve Congo, Gabé-Léfini. Et nous sommes venus voir, constater pour évaluer à quel niveau on peut considérer que c'est réellement une activité qui peut contribuer au niveau de notre économie. Mais aujourd'hui, grâce aux initiatives des opérateurs touristiques privés, le Congo pourra être vu sous un bel angle que celui étriqué présenté par les médias étrangers. Nous avons pu voir tout le long du fleuve, nous avons un très 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 beau paysage. Ce paysage est unique au monde. Je pense que c'est un paysage qu'on ne peut retrouver nulle part. Voilà pourquoi nous encouragerons l'Hôtel Africa de continuer sur cet élan. Alors le message que nous allons véhiculer et donner, c'est d'encourager les opérateurs touristiques, parce que nous en avons très peu. L'Hôtel Africa s'est lancé, il va falloir que d'autres opérateurs s'y mettent également pour qu'on puisse découvrir notre faune, notre flore, et que le Congo puisse être vu d'un autre angle. Parce que le Congo qu'on nous présente ou que les étrangers nous présentent, ce n'est pas le Congo que nous vivons. Et nous espérons que les touristes viendront et viendront véhiculer un autre message de notre pays. Parce que nous avons un très beau pays et je pense qu'il y en a qui... Puisque nous, la priorité est donnée à l'écotourisme. Donc l'écotourisme, ça veut dire... Nous devons montrer et valoriser ce que nous avons comme flore, comme faune et comme cours d'eau. De par son paysage pittoresque, le fleuve Congo est indiscutablement une destination touristique encore mal connue sur le circuit international. Mais à partir des activités telles que celles que vient de réaliser l'Hôtel Africa, le fleuve Congo pourra sortir de son anonymat touristique pour attirer non seulement les touristes, mais aussi des recettes pour booster l'économie congolaise, longtemps tributaire des recettes pétrolières au lendemain problématique.